Quand on est rentré à la maison, là, sa femme était assise au salon là. Tu es encore revenu avec elle? Il dit oui. Je suis revenu avec elle. Yedi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Hé, attention! Dès qu'on ouvre la porte, la femme de mon oncle, elle pète un câble. Elle commence à se fâcher et tout. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Elle se fâche, c'est qui ça? Maintenant, mon oncle fait ça, mais il t'a dit que ma nièce venait, non? Il t'a dit que ma nièce venait, non? Comment ça, ta nièce venait? Je t'ai dit que je ne vais pas voir quelqu'un chez moi ici, j'ai dit. La femme de mon oncle, elle a commencé à gâter le coin. Elle a commencé à jaler la foule. Et j'étais arrêté à côté de ma valise là comme ça. Puis elle dit, dans la France là, c'est comme ça. Tu vas me sortir celle-là. Elle ne dormira pas chez moi ici, je t'ai dit. Je t'ai dit, elle ne dormira pas chez moi ici. Je t'ai dit que je ne veux pas voir une personne chez moi. Tu t'es entêté. Elle est arrivée. Quand tu m'as dit que ta nièce allait arriver, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit non. Tu as tout fait, elle est venue. Sortez de chez moi, va chercher un endroit où elle va aller dormir. Mais chez moi, ici, elle ne dormira pas. Il dit, mes amours, mon oncle et moi, on a pris ma valise. On est allé, on a mis ça dans sa voiture. On s'est promené dans Paris, là. Il appelle les contacts. Genre, pour m'héberger. Puisque sa femme dit, il ne dort pas chez elle. Il n'avait pas dormi là. Donc, on était dans la voiture, là. Et puis, il priait, il dit, hey, Seigneur, ça, c'est quoi ça, là? Je suis venu comme ça, le premier jour, je suis arrivé. Regarde ce qui est en train de se passer. Je pleurais comme ça. J'ai dit, voilà pourquoi je ne voulais pas venir même en France, là. C'est pour ça qu'il ne voulait pas venir. Il était dans mon Abidjan tranquille, là, il ne voulait pas venir. Donc, mon oncle a appelé, et puis il est tombé sur l'une de ses camarades, quoi. Elle habitait d'un gloglot, mais un gloglot, genre grenier, mais une chambrette. Chambre, là, j'ai dit, voilà, chambre, là. Ses affaires même ont rempli chambre là, juste là, il n'y a pas espace. Et puis on est monté là-bas. Oh, je ne sais pas, c'était peut-être au 7e ou au 8e étage sans ascenseur. Donc on est monté, on allait s'asseoir. Et puis mon oncle a commencé à manager sa camarade là pour que moi elle puisse rester là-bas. Maintenant, elle a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'elle vit dans une petite pièce avec ses enfants. Donc elle ne peut pas m'accepter. Donc vraiment, si elle m'accepte là, c'est pour une nuit seulement, c'est-à-dire ce soir-là, c'est tout. Sinon, je ne pourrais pas rester là-bas. Mon oncle dit, ok. Bon, il était assis là. Il réfléchissait, il dit, mais on va faire comment? Elle ne va pas rester ici une nuit. Mais si elle reste ici une nuit, on fait comment? J'ai dit, mon oncle m'a dit, prends ta valise, on y va. Prends ta valise, on y va. J'ai dit, c'est comme ça, on a pris valise là. Et puis on est retourné. Il dit, on rentre à la maison. Il dit, ah tonton, ta femme a dit, elle ne veut pas me voir là-bas là. On va retourner là-bas. Il dit, on rentre à la maison. Tu es ma nièce, tu es venue là, tu ne peux pas dormir. Ce n'est pas parce qu'elle dit, elle ne veut pas. Tu as dormi dehors, mais tu as dormi dans la rue. Ou tu as dormi dans une condition pénible. On rentre à la maison. Il dit, le monsieur là, on est monté dans la voiture, on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison là, sa femme était assise au salon là. Tu es encore revenu avec elle? Il dit, oui, je suis revenu avec elle. Elle va dormir ici, c'est ma maison. C'est ta maison, mais c'est aussi ma maison. Tu veux qu'elle la laisse où? Je suis allée chercher partout. Je n'ai pas trouvé un endroit où elle peut rester. Tu veux qu'elle reste où? Elle va rester ici. Il a dit, je me suis assis dans mon oncle. Il dit, viens. Il allait me mettre dans la chambre d'amis là. Il dit, reste là. Couche-toi. Faut te déshabiller. Va te laver. Et puis tu vas venir manger. Ma tante, elle parlait seulement. Elle parlait. Et c'est mon oncle même, il a géré encore. Je me suis déshabillée. Je suis allée dans la douche. Je me suis lavée. Il dit, viens. Je suis venue dans la cuisine. Il m'a servi un peu de nourriture, j'ai mangé. Et puis je suis restée dans la cuisine là. Il dit, faut rester là, j'arrive. Il allait au salon. Il a essayé de manager sa femme. Il essayait de manager sa femme. Elle criait, mais arrivé à un certain moment, elle ne criait plus.